Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de Nishigashi, moi c'est Higashi. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo maquette. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu aussi. Ouais. Aujourd'hui je ne vais pas vous présenter Star Wars, c'est une série culte des années 80, voire même jusqu'à nos jours maintenant. Il y a de nombreux jouets de la firme, mais aujourd'hui je vais juste vous présenter l'AT-AT ou en version française le TBTT. C'est un véhicule de combat de l'Empire, donc là aujourd'hui il sera en 144e. C'est des éditions Bandai. Je sais pas comment on dit, je sais pas si c'est exactement bien dit ou pas. Donc on va l'ouvrir ensemble. Pour la petite anecdote, George Lucas révéla dans une interview que le design du TBTT ou de l'AT-AT est un clin d'œil historique des éléphants guerriers. On va l'ouvrir ensemble, c'est parti. Hop là. Dans la boîte, il y a plusieurs sachets de pièces. Et là, j'en compte 5. 5 sachets de pièces. Et bien sûr, le manuel pour le monter, ce qui est normal. Le manuel est en japonais, non, en chinois ou japonais, je ne sais pas exactement, et en anglais. Donc attention, il y a des petites pièces, il faut faire comme il faut. Il y a plusieurs plaques, comme ils disent, des autocollants. Et bien sûr, il faut le monter dans l'ordre, ce qu'ils me disent. Il faut prendre une pince coupante, c'est toujours mieux pour le couper. Moi personnellement j'en ai pas, donc du coup je vais utiliser les moyens du bord. Et du coup il faut bien, par contre il faut vraiment bien enlever, mais vous le verrez, je vous montrerai directement en vidéo. Donc on va commencer tout de suite, on se retrouve. Donc nous voilà de retour pour le construire. Hop là, c'est parti. Donc déjà on va commencer par déballer toutes les pièces. Alors on va ranger toutes les pièces dans l'ordre, couteau bien aiguisé. Attention les enfants, ne faites pas ça chez vous. Vaut mieux se munir quand même de la pince qu'ils nous prescrivent, c'est toujours mieux. C'est parti, on attaque. Thank you.
Nous revoilà après plusieurs heures de travail sur ce petit truc, donc plusieurs, 1 heure et demie à peu près. Niveau qualité du plastique, c'est quand même pas trop mal. C'est quand même mieux d'avoir la pince, c'est sûr. On peut quand même bouger tous les petits squelettes. L'exosquelette marche quand même bien. Que dire dessus? Pour 50 € à peu près, aux alentours de 50 €, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Que la qualité elle y est quand même, on peut bouger vraiment de beaucoup de façons différentes, et c'est ça qui est intéressant avec ce genre de maquette. Après, voilà, c'est quand même au minimum 1 heure de travail pour réussir ça. Je sais que vous pouvez rajouter de la peinture, il y en a qui le font. Moi, je l'ai jamais fait avec la peinture, du coup, ben, je peux pas trop vous dire comment c'est. J'espère que ce format t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez me revoir faire des maquettes, j'en referai, il n'y a pas de souci. Sur ce, à la prochaine. Ciao!